bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. À l'affiche aujourd'hui, Valence contre le FC Barcelone. Bonjour, c'est avec bonheur que t'arrêtes, tu l'étais quand même, Edouard Cordeau. Allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. De jeu est unique. Il a des stats impressionnantes, mais c'est surtout un attaquant qui fatigue les défenses. Parce qu'il est toujours en mouvement. C'est un sacré joueur. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Coutinho, il préfère le jouer court. La passe interceptée. Ce ballon en profondeur. Coup de sifflet, hors jeu. Ah, effectivement, mais de peu. Sergio Busquets. Luis Suarez. Pour que la faille dans la défense. Superbe Suarez. Oh, c'est un arrêt important, ça. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ce match. Pogba qui a prolongé son bail au club, on avait oublié de vous signaler. Il tente de la jouer dans l'espace. On l'a récupéré. Rakitic. Il cherche la profondeur. Il joue dans l'espace. Bien servi. Et c'est intercepté. Sergio Busquets. Luis Suarez qui choisit le côté gauche. Il choisit la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. À son profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Rakitic, en retrait pour repartir proprement. C'est joué long, attention. Oh, c'est bien joué. Le bon dribble. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Quelle balle en profondeur, super vista pour trouver son partenaire. Et ce ballon sur l'aile. Il est tout seul. Il est passé. Il va au duel. Un centre rasant. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Thiago. Il écarte, il joue sur l'aile. Neymar. Il va provoquer. La souffrance était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Messi, la passe dans la profondeur. Et ils vont effectuer cette touche. Oh, Luis Suarez. Oh, quel bel arrêt. C'est un super arrêt. Fight save. Voici Romario. Il joue dans l'espace. Oh, voici Neymar. Pas vu le temps passer désormais, les entraîneurs entrent en action. Valence qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Bon, il va falloir que le manager fasse 2-3 changements là. Les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute la mi-temps. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant. On se retrouve tout de suite. La frappe, attention. Oh, il bute. Le but. Ils font enfin la différence en deuxième mi-temps. Quelle frappe monstrueuse, c'est imparable. Le gardien l'a bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Alors que certains joueurs n'avaient pas fini de rentrer les maillots dans le champ, et voilà, ça fait 1-0. Oh, Luis Suarez. Il y a peut-être un coup à jouer, mais il tombe sous la pression. Oh, voici Philippe Coutinho. Il
retire la frappe. C'est repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas. Ouais. Il t'a frappé. Jésus. Balance qui est menée, qui a moins tenté. Allez, il faut se libérer pour chercher l'égalisation. Ce ballon bien dosé. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Et la tête. Le gros dégagement. Il frappe. Et ce sera une faute. Gardien loin devant. Un ballon intéressant. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Voici Romario. Il tente de le jouer dans l'espace. Oh, quel caviar. Oh, le duel. Il file vers le but. Il est lancé vers le poteau de corner. Mario! Jusqu'au bout! Allez, c'est un but! Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Alors là, ça pourrait être un très grand match parce que les deux équipes se rendent complètement. Le bon dribble. Il écarte le jeu. Oui, il était hors jeu. Ah là là, ça se joue à pas grand chose sous cette passe directe. C'est d'un changement. Il est fini, crevé, carbon comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Daniel Alves, un long ballon vers l'avant. Voici Romario. Bien tenté. Thiago. Oh, Cesc Fabregas. Oh, l'occasion. Occasion manquée. Car ce match était très équilibré, ça s'est joué à pas grand chose, mais ils ont perdu. Que retenez-vous de cette rencontre?